Salut, on se retrouve pour la 9e vidéo du calendrier de l'Avent. Je perds le fil complet, comme d'habitude. Le sac, le film. Voilà, il y a de moins en moins. Décharné. Une fois votre âme à nu, il dévore votre chair. Ouh. Vos terreurs reviennent à la vie. Un groupe de scientifiques dirigé par le docteur Mason cherche à perfectionner un sérum qui permettra d'entrer en contact avec l'au-delà. Bouleversé par la disparition de son enfant, le docteur Mason est prêt à repousser les limites de l'esprit humain pour confirmer la vie après la mort. Mais l'expérience tourne mal et ouvre un passage entre le monde des vivants et celui des morts. Ben allez, le synopsis en tout cas fait genre hyper classique. Hein, genre le scientifique qui a perdu son enfant et qui essaye de rentrer en contact avec lui. On va voir ce que ça donne. On se retrouve donc après avoir vu le film Décharné. Et effectivement, j'ai eu le nez hein, pour l'histoire. C'est hyper classique. J'ai l'impression d'avoir vu ce genre d'histoire un million de fois. Avec typiquement le personnage qui a donc perdu son enfant de façon quand même assez mystérieuse. Qui rentre en contact avec une jeune femme qui fabrique un thé. Qui permet de communiquer avec les morts, et en fait comme lui il est scientifique, il va lui demander de collaborer avec lui pour que son thé puisse se transformer en une sorte de sérum qu'on puisse s'injecter pour essayer de communiquer avec l'au-delà. Il va donc s'entourer d'une équipe, alors il y a genre une informaticienne, d'autres scientifiques, il y a un type qui est envoyé par la société par laquelle il travaille pour superviser un petit peu tout ça. Ils partent s'isoler dans une maison dans les bois pour mener leurs expériences, et ils vont donc tous s'injecter régulièrement le sérum pour voir s'ils arrivent à communiquer avec l'au-delà. Sauf qu'au final, le sérum va plutôt permettre à l'au-delà de coexister en fait avec le monde réel. Donc ils n'ont pas que des visions, ils vont avoir les visions vont devenir de plus en plus invasives et vont pouvoir interagir avec eux. J'espère que je suis claire dans mes explications. Sauf qu'en fait il y a une espèce de créature qui cherche justement à rentrer dans le monde des vivants. C'est un peu un délire, j'ai envie de dire, à la Stranger Things, qui rencontrerait l'expérience interdite. Voilà, c'est une espèce de gros mix de tout ce qu'on a déjà vu. C'est pas désagréable, j'ai pas passé un mauvais moment en le regardant. C'était divertissant, voilà, j'ai regardé le film. Il y a une des actrices que j'aime bien, j'oublie toujours son nom mais je l'aime bien, c'est Bex Taylor-Close. Qui joue dans la série Scream. C'est typiquement le genre d'actrice qui joue toujours le même rôle, de petite nana un peu punk rock, rebelle, informaticienne, etc. J'ai l'impression qu'elle fait toujours pareil, mais je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Donc ici, elle déroge pas à la règle, hein. C'est la geek entre guillemets de service. J'ai passé un bon moment en regardant le film, mais je pense que sincèrement c'est le genre de film que j'aurais oublié tout simplement dans une semaine. Pour lui trouver des points positifs quand même, même si l'histoire reste assez classique, on se laisse quand même prendre rapidement au jeu. Parce qu'encore une fois, ça me fait penser du coup au film que j'ai vu il y a deux jours, No Dormiras. Parce qu'on ne sait pas exactement si les visions qu'ils ont, ce sont de vraies visions de l'au-delà, ou si c'est le sérum en fait qui est mal dosé et qui pourrait les intoxiquer et leur faire avoir des hallucinations tout simplement. J'ai bien aimé aussi le design des créatures, donc c'est une espèce de croque-mitaine on va dire qui enlève les enfants et qui essaye d'entrer dans le monde des vivants. J'ai trouvé que le design était quand même assez bien fichu, en plus on le voit quand même assez bien. Et je trouve que les maquillages sont très bien faits. Il y a quelques scènes qui sont assez gore, assez dérangeantes même dans le visuel. Donc ça, c'est un bon point pour moi. Mais après, voilà, au niveau de l'histoire, c'est tellement du vu et du revu. Le personnage, voilà, qui a perdu son gosse, qui veut coûte que coûte le retrouver, quoi, renouer contact avec lui. Qui va du coup se jouer un petit peu des autres pour les emmener là où lui veut aller. Voilà, parce qu'il cache clairement son jeu par rapport aux autres personnages, il n'est pas tout à fait honnête avec eux, il n'est pas tout à fait clair avec eux. Donc finalement il profite d'eux pour son propre intérêt. Ça voilà, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu un paquet de fois mais incalculable. Voilà, c'est typiquement le genre de direct ou vidéo qu'on regarde pour passer le temps et puis qui va pas nous marquer à vie. C'est pas le genre de film que je reverrai une deuxième fois par exemple. Mais ça fait quand même passer un bon moment, je l'avais pas vu. Et oui, et il y a l'acteur aussi, Josh Stewart, que j'aime bien dedans,
qui jouait le rôle principal dans le film The Collector et The Collection, si je me trompe pas dans les noms. Oui, c'est ça, The Collector et The Collection, qui sont deux films que j'aime beaucoup. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de les voir. Ça n'a rien à voir avec ça, mais je vous conseille quand même d'aller regarder. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule. Il ressemble un petit peu à Sean Penn. Il est bon là dans le film, il n'est pas extraordinaire. Hein. C'est l'espèce de type de la société qui vient là pour les surveiller. Donc c'est pas genre son meilleur rôle. Mais en tout cas voilà, je l'aime beaucoup, donc j'étais quand même contente de le voir dans ce film. C'était quand même un des points positifs. Après, sincèrement, c'est le genre de film sur lequel on n'a pas besoin de blablater pendant 1 heure. Voilà, je l'ai vu, j'ai passé un bon moment. Je vous conseille de le voir si vous aimez bien ce genre de créature un peu cauchemardesque. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Tous les liens sont dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!